Pablo est officiellement agriculteur. Aux yeux des autorités, il produit du cacao, mais comme tout le monde ici, c'est avec la cocaïne qu'il gagne sa vie. Tu récoltes tous les jours ? Non, non, pas tous les jours. Que lorsqu'il y a besoin. C'est ce que l'on fait le plus ici. C'est avec ça qu'on gagne le plus d'argent ici. C'est grâce à cette plante que l'on survit en Colombie. Les gens vivent de ça. C'est rentable ? C'est le plus rentable. Regarde, les champs de cacao que tu vois là-bas nous donnent juste de quoi manger, même avec 10 ou 20 000 arbres. Pablo va immédiatement transformer ses feuilles de coca en poudre blanche. Son petit laboratoire est installé dans une clairière, à l'abri des regards. Les hélicoptères de l'armée qui patrouillent ne peuvent pas le repérer. Ici, on est bien planqué. L'armée ne vient jamais ? Jusqu'à présent, ils ne nous ont pas trouvés. On est bien planqué dans ce coin. Si un jour ils viennent ici, j'irai travailler ailleurs. Ce grand sac de feuilles de coca vaut une dizaine d'euros. Mais Pablo va lui donner de la valeur. L'agriculteur se transforme en chimiste. Les feuilles de coca sont d'abord broyées, finement. Ensuite, ils ajoutent une série de produits très étonnants. C'est du ciment pur. Une fois mélangé aux feuilles, le ciment est humidifié et le tout placé dans un baril. C'est là que Pablo ajoute plusieurs litres d'un liquide qui empeste. Qu'est-ce que c'est ? C'est de l'essence. Combien de temps tu laisses comme ça ? Il faut laisser reposer pendant 2 heures. L'essence fait ressortir les propriétés de la feuille. Et ensuite, on va mettre de l'eau et de la soude caustique. Ça, c'est de la soude caustique. Fais attention, je l'ouvre. C'est quelque chose de très dangereux. Ça brûle vraiment la peau. La soude caustique, un produit utilisé pour déboucher les lavabos ou les toilettes. Elle est destinée à détruire les résidus d'essence et de ciment. 2 heures plus tard, le mélange est filtré. Ce qui a de la valeur, c'est ce liquide qui contient les propriétés de la feuille de coca. Le reste part à la poubelle. Et maintenant, la touche finale, un doigt d'acide sulfurique qu'on trouve dans les batteries de voitures. Pablo nous prépare un petit échantillon. C'est ça qu'il faut prendre. C'est la base. La base prend alors une couleur laiteuse. Après quelques heures d'évaporation, les cristaux sont prêts. Il ne reste plus qu'à les broyer pour les transformer en poudre. Le kilo de cocaïne qu'il vient de fabriquer vaut désormais 800 euros.